ça n'empêche pas les voitures de rouler. Bon, une fille n'est pas exactement une mécanique. Je n'ai jamais dit ça. Ce qui m'étonne, c'est la... Poisson dans mon filet. Simple affaire de technique, petit exercice matinal. Le travail de l'amateur, il y avait aussi le travail du professionnel. Je m'étais fait une vie à ma cour. Boris qui passait 2 heures par semaine, et la présence d'une comptable laborieuse et invisible comme une fourmi. D'un type d'homme dont Jean-Claude et moi-même aurions été les étapes précédentes. Où, par chance, nous avions réussi à établir avec nos visiteuses un type de relation qui n'existe pas dans les rangs. Il n'y avait entre nous ni esprit de compétition, ni rivalité, ni même cette émulation un peu sportive.
nous avions inventé un petit... L'élu entraînait la visiteuse, captivée. Cette méthode... Pas d'envoûtement secret. Toute vanité masculine mise à part, nous étions des hommes de laboratoire. Travail était fait. Mais là où des gamins de son âge se seraient contentés d'être beaux, le puritanisme des générations qui m'ont suivi. Il avait mis au point un numéro sur les rapports de la composition dissymétrique chez Paul Klee et Béla Bartók. Dernier triomphe. Tant de précautions pour m'annoncer seulement que notre secrétaire comptable nous quittait. Pendant notre île fortunée était devenue une succursale de l'enfer, un bagne légal.
J'avais gardé plus de sang-froid. Je marquais le premier point. Ainsi, Alexandra. Malgré nous, nous avons commencé autour d'Alexandra un petit ballet aussi ridicule que le vol. Chacun de nous la voulait pour lui seul. Quoi ? C'était Alexandra comme toutes les autres. Il avait bien sûr l'excuse d'une longue et brillante série de succès. Le résultat obtenu par Steph se nomme un bide. Nous étions si habitués à... Qu'est-ce que vous faites samedi soir ? Assez habilement, j'avais fait semblant de... fourbir mes armes pour les batailles décisives. Chaud, puis retour à Paris, dîner et boîte de nuit. La suite, bien sûr, dépendait de moi. Courbe un peu trop savante pour me ranger, et j'ai frôlé un jeune homme qui réparait sa moto.
réagir, Alexandra était là. Plus de menage. Ridicule. S'il avait été... Une heure trois quarts. La mécanique au moins était restée sans défaillance. Dès notre descente de voiture, nous avons été pris dans l'engrenage classique du beau dimanche au bord de la mer. Je lui plaisais, et d'une manière très enfantine et très naïve, qui m'aurait empli de joie à tout autre moment. Toutes les joies de la terre à ma portée. J'avais eu la plus grande envie de les goûter, et pourtant,
de chagrin, ni aucune raison d'en avoir, et que pourtant l'amertume et le regret stérile s'emparent de votre... J'avais beau savoir. Les filles, et il fallait bien que j'accepte cette calamité. Maintenant, c'était fini. Sur le pas de la porte, Boris m'attendait. Il avait dans les bras l'accessoire le plus insolite pour lui, l'inévitable. Par exemple, ainsi, c'était donc Steph. Du cœur, la seule véritable, amusait Boris. C'est alors que l'idée m'est venue que je m'étais peut-être... par la mélancolie, de la complaisance et de l'illusion. Mademoiselle. Oh, excusez-moi. Thank you.
rester avec Steph un petit moment. Oui, je vois. Fiancée comme dans Cinémonde. Et quand Steph est partie faire son tour du monde, elle est tout simplement... ne saurait pas ce que c'est, il ne se croirait pas obligé d'en avoir. Justement, la carte n'est pas le territoire. Une nouvelle logique de... Bernard, et les bagages? C'est Monsieur Claude qui s'en occupe, mademoiselle. Bon. Par goût, par tactique aussi, peut-être, Claude avait délibérément choisi la soumission. Pourquoi j'aurais changé d'avis? Vous vous rendez compte de ce que vous me faites? Je ne vous fais rien. J'ai trop misé sur notre rencontre. Je ne pourrais pas le supporter. Des mots. Dans 5 minutes, vous allez arriver avec votre grande douleur au coin de la rue de la Pompe. Il y a un bistrot. Salut et bonnes vacances. En principe, Claude avait tout pour...
La rencontre de Boris lui fit l'effet d'une bouée de sauvetage. Un peu déçu, et sans remarquer un soupçon de malice chez Boris, entre l'amour et l'amitié. Mignon. Tiens, c'est tôt le matin. Ping-pong. Parce que je me concentrerai mieux. Puisque t'aimes souffrir, tu vas te servir.
Moi, je peux pas jouer dans ces conditions. Bon, d'accord. Je t'écrase et on causera après. La première pierre. Mais enfin, Claude, ces filles du 16e, tu te rends bien compte qu'elles ne mettent jamais vraiment. C'est une simplicité. Ne pas se laisser emprisonner par des mots qui n'ont pas de sens. Je sais votre nouvelle. Pas de salade et pas de jaloux. Un beau rêve, oui. Des oncles et des nièces, des vacances. Comme la femme de Mausole, je reste fidèle et dolent. Oh, tu sais, Apollinaire, c'est pas mon style. Si tu ne décides pas, on va se fâcher. La consultation n'avait pas eu grand succès, le malade manifestait de la répugnance devant la médecine. Il ne pouvait pas. Claude, visiblement, persistait dans l'erreur, il surpassait même sa réputation et gâchait ses chances.
Claude était un homme de principe. Mais aimable. Bonjour. Il avait souffert complaisamment des filles. C'était le moment de la journée où il ressentait le plus complètement la douceur de sa nouvelle condition d'homme heureux. Claude avait changé, bien.
conclut tout de suite qu'elle s'y promena comme on visite un jardin zoologique. Incidemment, il apprit tout d'elle. Sans mépris de l'étrange destin. Presse du cœur. Ah, vous croyez? Naturellement, il revit Anne tous les jours et Tiens, prends les clés voiture de Joe. Ça fera très bien dans le paysage. Je sais pas conduire. Où sont les autres? J'attendais tellement de cette soirée. Il aurait fallu être aveugle pour ne pas le voir.
et d'y rester. Mais alors ? Je dirais pas. Mais c'était un jeu, une folie. Je suis tout à fait le contraire de ce que vous dites. Ramenez-moi à l'hôtel. Moins vite que tout à l'heure, les performances ne m'amusent pas du tout. Toujours le même. Si le bonheur est un don, il n'était décidément pas doué. Ou peut-être... Croyance naïve dans l'existence d'une méthode universelle. Moi qui ne suis pas un intellectuel. Affaire de famille. Ici. Pourquoi ? Il y a un endroit spécial ? Maintenant. S'il savait, il ne nous pardonnerait jamais d'avoir tout entendu. Ce que les hommes ont inventé pour leur usage. Un mystère. Faire une retraite. Ordinairement, je ne...
étrange que les Grecs aient fait un homme de Narcisse. Pour rester dans la mythologie, si j'étais... Infatigable, toujours en mouvement, mais d'ici... Nous recevions un courrier de ministre. Les garçons... Les débordements sentimentaux du pauvre Claude, rayé de ma vie depuis les vacances d'été, n'arrivaient même plus à m'agacer. Nous, alors, n'avait encore vraiment envie d'insister. Tiens, le vieux Jacques, il était au Gabon. Il m'écrit. À l'hôtel. Je n'avais aucune envie de le faire entrer comme citoyen à part entière dans notre communauté. Vous allez vous arracher les yeux. Tu as raison. De sérieux dans leur plaisanterie. C'est un des aspects du fameux mystère. Je ne sais quel... Chaque fille, en me fiant à mon intuition. Et je décidais d'une tactique simple pour qu'elle en fasse la conquête. Établi pour règle du jeu que chaque fille, tour à tour, commencerait par décourager avec des méthodes laissées à son...
se jeter dans nos filets. Hubert. Ursula, elle aussi, jouait le jeu. En installant Jacques dans sa chambre, elle avait découvert la plus... Des cintres. Allez en chercher à côté. C'est peut-être à... Un homme des villes, entraîné sur une piste de ski quelques minutes après son débarquement, Angelo, un chocolat viennois. Et je vais prendre des gâteaux. Ah, vous êtes des lions. L'air de la montagne, ça arrange tout. On élimine plus qu'en ville. J'aime bien Virginie, mais ce n'est pas la meilleure de mes amies. Il est bien...
Mais très drôle. Au fond, si j'étais méchante... Je sentis me venir l'idée que ma chère Virginie pourrait bien avoir formé dans sa charmante petite tête. Je n'aime pas croire à la malignité, mais tout de même. De quitter ma confortable tour d'ivoire. Tiens, un conspirateur. Chut.
sont-elles ou c'est Claude? Un vrai balai d'éléphants. Le mystère féminin a l'air de s'être mis en mouvement. Oui, c'est bizarre. Allez, salut. Tu vas voir. Notre balai sentimental. Jacques s'inquiétait de cette mathématique au moment même où réunit. Puisque c'est si grave, je veux bien faire un effort. Je lui en parlerai, moi, Claude. Mais on vit dans une jungle. Il y a toujours un chasseur et un gibier. J'ai du mal. Merci. Ursula. Hello, tu viens? J'arrive. Garçon, ça arrive tout le temps. Pourquoi? Parce que les garçons ont surtout peur du refus.
Seigneur. Ne lui serait jamais venu. Placé devant l'évidence, il avait encore la tentation d'hésiter. Catastrophe, chacun pour soi. Mais non, on est allé faire du ski. Puis au chalet, c'est l'enfer. C'est pas exactement comme ça que m'imaginais l'enfer. Pour vous. J'en ai de très jolies, mais ils sont au chalet. Au chalet? Ah ben, je vais aller les chercher. Rien de cassé, j'espère. Non. On voit Victor Francen dans sa garçonnière, vaporisant du parfum.
Ne nous tutoyons jamais. Je te le promets. Ce qu'il a de de temps en temps. Vous vous souvenez de l'adieu aux armes? Catherine va mourir. Et Frédéric attendait. En somme, tu as tout arrangé. Eh oui. Comment as-tu fait ? J'avais la théorie. Maintenant, grâce à toi, j'ai la pratique. Qui est si désagréable pour les femmes de notre espèce, parce qu'elles en sont irrémédiablement exclues. Dès le premier soir. Mais j'ai pas compris tout de suite. Dans la pratique, je suis plutôt gêné par une femme libertin. À propos pour François, ça ne t'ennuie pas ? Ce n'est pas elle. Si, pourquoi ? Ascension difficile.
Non, mais l'amour, c'est toujours la même chose. C'est le coup du drapeau. Est-ce que vous croyez qu'un personnage féminin, une fille très belle, pourrait avoir un... Mais de vrai chagrin, c'est pas la même chose. Décidément, faut tout apprendre. Il a un côté plaisant. Tu veux, va te le prendre. Je n'oserai jamais. Si tu n'y vas pas, je ne te vois plus. Mais heureux en amour. Très heureux. Et toi? Les pneus.